Ou alors toi, je te conseille vivement de sauter. Oh merde, regardez toute la vie que j'ai perdue. C'est fini pour moi. Yo tout le monde, c'est Tobaki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, mesdames et messieurs, parce que voilà, je jouais, j'étais à l'aise, j'étais bien, tu vois. Et je trouve une carte de bunker. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais dans un bunker, histoire d'avoir extrêmement beaucoup d'argent. Oui. Et je trouve quoi? Le mastodonte. Le mastodonte. Je trouve le mastodonte. Alors il y a deux parties dans cette vidéo. Dans la première partie, je fais top 1 en solo avec le mastodonte. Parce que dès que je fais un kill, je régène toute ma vie de mastodonte. Oui, c'est abusé, oui bien sûr, tu peux le mettre en commentaire, hein, si tu trouves que c'est abusé également. Et dans la deuxième partie, c'est parce que j'avais pas d'armes, donc je me suis dit, bah, on va prendre le mastodonte parce que physique me fait respawn. Demon glitch. Demon glitch sur le minigun du mastodonte. Inutilisable. Je vous laisse rigoler, je vous laisse vous moquer du gameplay, je vous laisse kiffer. Je pense que c'est que à moi que ça arrivait, vraiment. Je suis le mec le plus poisseux de France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ce que vous avez à faire, mesdames et messieurs, c'est mettre 450 likes sur cette vidéo. Et puis c'est tout, voilà. Et puis vous abonner à la chaîne, et puis bah, c'est un bon visionnage. Bon visionnage. On va prendre la prime de kill sans plus attendre. Oh, le petit tir qui est juste à droite. Ah, ça pue l'heure, ça. Ça pue le leurre. Alors le problème avec les coffres, c'est que s'il y a un screamer, je vais sursauter, je vais tirer sans faire exprès. Ça m'arrive à chaque fois ça. Oui, je sursaute. Bon bah voilà, vous savez. Ok, je l'ai vu. C'est un mec au shield. Quoi? Il n'est pas descendu, frère, le boss là. Je l'ai vu. C'était un Ruskov avec un shield. What? Drone ennemi au-dessus. Drone ennemi au-dessus. Vous y êtes, soldats. À vous de jouer maintenant. Il n'y avait pas été de ma mort. Est-ce qu'il va s'arrêter, ce cher monsieur? Le problème, c'est que je suis en train de péter un marathon, là. Ça m'intéresse pas des masses. Qu'est-ce que j'en fais du masto en vrai là? Vous voulez que je joue le masto? Peut-être qu'on le garde pour la fin de game, non? Je sais pas. Parce qu'en vrai là, tu vois, tu sais quoi, vas-y, on va jouer masto. Mais je sens que les joueurs vont m'éviter. Les joueurs vont m'éviter. En fait, le problème avec le masto, c'est que. Ah non, tu le prends en 2 secondes. Je croyais qu'on mettait 10 ans à le prendre. D'accord. C'est limité en balles. Bah ouais, je savais pas que j'avais que 200 balles. Je pensais que j'en avais 999, tu vois. Comme la machine de mort, sur le comme ça, tu vois. Il est en train de me voir, il est quand même malade, frère. J'ai une tête de citrouille en feu. Alors, on va acheter un drone. C'est terrible d'être de zir. Franchement, je suis bien. Et avec l'auto-réanimation, si je suis masto. Ah, je peux pas lancer score streak. Oh non, je viens de faire 2 offrandes là. Oh, je peux rien acheter, d'accord. Bah écoutez, cadeau. Cadeau des mecs. Ah, bonjour monsieur. Y'a moyen de faire un truc là. J'ai regagné ma santé. D'accord. Ah c'est fort, c'est quand même très fort. Vous pensez qu'il va réagir comment quand je vais arriver en face de lui là? Il va s'enfuir avec ma voiture. Vous allez voir, ça va être ça. Non, il se fait tirer dessus. Non, c'est un leurre, c'est un leurre, c'est un leurre, c'est un leurre. La cible mise à prix a été éliminée. Bien joué. Fais l'erreur. Fais l'erreur. Oui, j'arrive, c'est bon. Gardez-le avec son sniper là. Il ne se doute pas. Ah, il m'a mis une balle dans la tête, ça m'a fait ça de dégâts. C'est si peu. Quoi? Ah, le salaud. Regardez, il court. Cours, galope, frérot, galope. Putain, c'est trop bien de se sentir craint par les autres joueurs. Non mais alors toi, frère le boss. Hop. Je suis peut-être un peu loin là. Comment je vais pouvoir l'éliminer? On peut monter en haut là? Il me troll. Ah attends, il y a une frappe là. Ouais, c'était pour ma pomme cette frappe. Dommage que tu l'aies raté mon pote. Bon, les mecs en haut ils trollent. Par contre toi t'as essayé de me mettre une frappe dans la bouche. Je ne tolérerai pas plus. Help me.
Ou alors toi, je te conseille vivement de sauter. Attendez, il y a un truc marrant là. Putain, je l'ai même pas break shield hein, quand même. Hein. Ou alors il est là. Oh non, il s'est suicidé en sautant. Mais non. J'avance. Mais non, frère, non. Pourquoi? Dis-moi ça. Mais oui. J'ai marqué une cible. C'est un joueur, ça. Alors, monsieur, vous croyez-vous discret? Très peu d'efforts, quand même. Très peu d'efforts, il faut dire la vérité. Et on va retourner se caler. Ah, ah, ah. J'entends un joueur, maintenant. C'est quoi, ça? Là, je restais un laser vert qui est en train de me pointer. Eh bien non. Alors, le truc qui est bien, c'est que du coup, je bloque le choc. Attendez. Attendez, les gars, bougez pas. Je fais une offrande. S'il y a un mec qui vient récupérer mes sous, les gars, c'est génial. Mais non, tu vas mourir, gros. Le masto peut utiliser un parachute ou pas, les gars? Vraie question. Oui, d'accord. Je crois qu'il s'est suicidé, ce monsieur. Hein. Je vois pas où est-ce qu'il aurait pu passer. Hein. Il est dans le coin en bas, je sais pas quoi. Parce que là, il a sauté. Là, il y a aucun moyen pour lui de remonter. Hein. Vraiment, il s'est suicidé, je crois. Hein. Ok, ok, j'ai perdu de la santé, les gars. Oh merde, regardez toute la vie que j'ai perdue. C'est fini pour moi. Enfoiré, va. On va laisser la zone faire son travail. Quoique, je prends mon véhicule et je te rush. C'est possible aussi. On va laisser la zone faire son travail. On va voir où est-ce qu'elle nous emmène derrière et je vais prendre mon véhicule. Gaz en approche. Non. Déplacement de la zone. Oh, sauter. Ah, le salaud, il a déjà sauté. Il a déjà sauté, frère le boss. Plus personne est en haut. Ah si, tous. Si, 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 ça tous là. Non. What? Ah oui, d'accord, la zone fait beaucoup de dégâts par contre. Ok. Ah, toi, tu tombes. Vous avez remporté la victoire. On l'a vu tomber. On l'a vu tomber. On l'a vu. Il a fait le toboggan. Allez, le mastodonte. Faudrait pas qu'il se mette en danger. Mec, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir le bunker, tu vas aller récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et t'auras assez de thunes pour me ramener. Dommage, t'étais dans l'épaule. Il est où le bunker? Derrière toi, bon chance. T'as un masto physique. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Mais tu le jettes, t'as gagné la game, gros. Jamais. Mais donne-le moi, hein. Moi je reste, j'aurai pas d'armes. Tu me donnes le masto tout de suite, vas-y. Ah oui, 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 putain, c'est une bonne idée par contre. Devant toi. Ouais, je sais, j'ai vu. Est-ce que je le tue? Tu l'as même pas mise dans la tête, la balle. Bien sûr que c'est. Hein? Plein dans son cou. Tu l'as vu à gauche? Au fond? Ouais. Oh là là! Oh là là, cette tête! Mais qui peut te sauver? Bien joué, monsieur. Viens, ma mère, j'ai pas. Attends. Il faut que t'achètes un score streak, comme ça fout le mastodonte au sol. Tiens, prends le drone là qui est par terre. Quoi? Mastodonte qui est dans la zone. Non! Je crois que je pourrais pas le prendre du coup. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as lancé. Normalement, y'a que toi qui peux le prendre. Sérieux? Non, c'est bon, j'ai pu prendre. Voilà. Il est Demon Glitch. Quoi? Et là, le minigun est Demon Glitch, gros. What the fuck? Ça n'a aucun sens. Ah oui, je vois bien que c'est Demon Glitch. Tu l'as vu? Ouais, tu l'as vu. C'est lui. On rentre dans le tas, hein. Mais le Demon Glitch, il tourne. C'est le canon, c'est de la batteuse, il tourne. Quoi, le Demon Glitch tourne? Oui. J'ai fait la toupie, gros. Ils sont vachement loin. Je fais quoi, moi, avec ça? Écoute, tu m'as dit c'est trop bien. Je m'attendais pas à ça, gros. Putain, le minigun, quoi. Il y avait un mec là sur mon ping et il y avait un mec aussi à droite, quelque part. Bah, il traverse. Les devs, ils se sont dit: ah ouais, alors comme ça, tu veux utiliser le masto, hein. Alors comme ça, tu veux être un cancer. Ah bah ouais, hein. Traverse les deux. Mais moi aussi, frère. Ils sont tous les deux là. Ils sont derrière le machin là? Je pense, ouais. Je les vois plus et c'est la dernière fois que je les ai vus, c'était là. Ouais, il est là-bas. Je le vois pas. Je peux pas le voir à cause du Demon Glitch, quoi. Quand je vise, je vois pas où je vise. Faut vraiment que je sois au caracor du mec si je veux le voir. À terre? Un des deux à terre? Ouais. Je sais pas sur quoi je tire. Je l'ai tué! Gigi! Je sais pas sur quoi je tire! Ok, j'ai les deux qui m'envolent là. Ils sont les deux derrière le machin là. À terre? Il y a un patching.
Les deux à terre, les deux à terre. Ok, je vois pas sur quoi je tire physique. C'est GG mon pote. Oh, la gueule de mon minigun. Bon les gars, je sais pas comment on va s'appeler cette vidéo. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mes frères, tout ce que je sais, mastodonte en solo, tu es invincible. Un véhicule, un mastodonte, impossible de mourir. Ce n'est pas possible. Dès que tu fais un kill, tu régènes ta santé à fond. Une balle de sniper dans la tête, c'est même pas un 15ème de ta vie au total. Comment être invincible sur Warzone? Voilà, on a le titre de la vidéo les gars. Je sais pas si elle s'appellera comme ça, mais enfin bref, si vous êtes sur YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Comme d'habitude, l'objectif 400 likes sur cette vidéo, voilà, on augmente un peu avec le temps. N'hésite pas à t'abonner, tout simplement, pour plus de contenu fun, varié. Et je sais pas, on joue des armes un peu différentes chaque jour, alors abonne-toi, tu vas voir, il y a peut-être des choses que t'as pas encore découvertes sur ce jeu que je vais te faire découvrir. Alors ne rate rien mon frérot. Bref, je te souhaite une excellente fin de journée, d'après-midi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À la fois prochaine. I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say.